Bonjour, je m'appelle Alain Olympie et je suis directeur de l'association François Aupetit. Notre association, qui est une association de malades et de proches de malades, intervient dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ce sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc ces maladies touchent 200 000 personnes en France et nous avons une difficulté, c'est de remettre les gens qui sont malades dans une qualité de vie acceptable malgré cette maladie qui va durer toute leur vie. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ça intervient directement dans la vie sociale, dans le sens où les malades ont des difficultés, notamment alimentaires, et beaucoup, évidemment, comme souvent les maladies chroniques, des problèmes de fatigue. Donc, le rôle de l'association, c'est vraiment de les accompagner dans ce parcours de santé global, je dirais, dans la reconquête de cette qualité de vie, de les accompagner au quotidien dans leur peur alimentaire, dans comment ils peuvent se remobiliser au niveau de la fatigue et donc de mettre évidemment à leur disposition des professionnels, diététiciennes, etc., pour évidemment concrètement les accompagner et individuellement aussi les accompagner. Alors pour cela, nous avons aussi le rôle important des pairs, hein, c'est-à-dire des malades eux-mêmes, qui ont pu se former, s'éduquer si j'ose dire, et qui sont une ressource pour tous ces petits trucs au quotidien qu'ils peuvent apporter aux autres malades. Je suis venu avec Jean-Luc Plavis, donc, qui est un malade, et il va vous raconter un peu son histoire. Alors, je suis Jean-Luc Plavis, donc patient expert et délégué général de Remédier, réseau national de médiation en santé. Quand on est malade, la difficulté, c'est qu'on doit s'inscrire dans un parcours de soins, un parcours de santé et un parcours de vie qui finalement aboutit bien souvent à un parcours du combattant. Et c'est vrai que quand on est malade et qu'on est seul, c'est extrêmement difficile de parvenir à s'en sortir. Donc l'appui d'une association, c'est quelque chose de vraiment important, parce que dans ce cadre-là, on a finalement tout un accompagnement qui se met en place, et on parvient finalement petit à petit à mieux comprendre déjà notre pathologie, à mieux comprendre tout l'environnement qu'il y a autour de la pathologie, c'est l'environnement lié aux problématiques professionnelles, sociales, familiales, etc. L'association, en fait, est vraiment une aide pour le malade, parce qu'elle permet de l'accompagner et de mieux comprendre déjà sa pathologie. Au même titre qu'un professionnel de santé peut nous aider, l'association a vraiment un rôle d'accompagnement assez fort. De mon côté, si je n'avais pas eu cette association, je n'aurais pas pu m'impliquer autant et à la fois aussi accompagner donc d'autres malades aujourd'hui, puisque je suis patient expert. Et voilà, donc l'association pour moi, ça a un rôle déterminant au même titre que les professionnels de santé et c'est un acteur à ne pas négliger.